Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour ce tout nouvel épisode. Donc aujourd'hui le but c'est arriver sur la Lune, enfin Moon. Donc on avait ici un peu d'argent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait bien nous... Enfin d'argent, de science. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui pourrait nous être pas mal? Alors on a ça. Ça... Bah, non on n'a pas besoin, pas pour le moment en tout cas. Alors ça pourrait nous, ça pourrait être vraiment intéressant vu que on pourrait avoir besoin de toutes ces petites structures. Alors. Ah, ça aussi, c'est vrai, ouais, mais c'est pour des gros modules. Parce qu'on n'a pas encore besoin de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la cupola. Bon, je vais prendre celui que je vous avais dit, hein, celui-là. Juste pour vérifier un truc. Oui, c'est ça. Hop. Et voilà. 300. Donc. On va faire notre petit vaisseau pour la Lune. Alors, on est donc on va faire notre petit vaisseau. Donc, j'ai un peu regardé comment est-ce que j'avais fait dans mes précédentes parties où j'étais tout seul. Et en fait. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais un peu adapter, hein, parce que, vu que ça fait un petit temps quand même que je l'ai fait. Attendez, hein, comment est-ce qu'on va faire ça? Ouais, c'était ça. Voilà, donc en fait, si vous voulez, j'avais fait un petit truc comme ça. Et puis là, j'avais encore accroché. Voilà, c'est ça. Trois trucs ici. Parfait. Comme ça, en fait, on pourra vraiment partir avec beaucoup de science déjà, mais aussi on aura de quoi booster. Alors, on va prendre des petits fuel tanks. Hein. Voilà. Hop. Et maintenant, de quoi les booster? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, voilà, parfait. Donc on y est. Alors on va mettre de quoi lui faire prendre de la vitesse, enfin de la vitesse, on va pas faire perdre la vitesse, on va plutôt dire. Ce que je vais faire, c'est je vais peut-être encore mettre un deuxième petit truc ici. Celui-là. On va continuer avec ce que j'avais mis. Hein. Et voilà. Ah, d'accord. Bon, bah alors on va utiliser plutôt ceci. Voilà. Et ça, on va utiliser comme ça. Voilà. Comme ça, ils sont tous accrochés entre eux. C'est parfait. Je vais peut-être aussi accrocher ceux-là. Peut être pas mal. Ah oui. Alors. Voilà. Là, ça va aller. Voilà. Alors, on a fait notre première partie. Donc, on va continuer. Alors. Est-ce que ça... Ah oui, c'est vrai. Vous avez pas encore vu ça, je crois. Donc, j'ai réussi à régler ce problème-là. Demandez en commentaire si vous voulez savoir comment, enfin voilà, comment je l'ai réglé. Parce que c'était un mode. C'était je sais plus quoi, je retrouvais, mais enfin, voilà. Si vous voulez savoir, il n'y a pas de souci. Alors, bon, je suis un peu lent. Où est-ce que c'est? Ah, voilà. Je savais que je l'avais eu. Alors, hop.
mettre ça. Ça. Voilà. Et mettre celui-là. Et ce qu'on va faire, c'est peut-être pour le départ. On va tester, hein, j'ai pas encore testé ces six gros trucs. On va mettre des petits trucs comme ça. Donc hop, on agrandit. Et on va mettre des comme ça, je propose. Et ce qu'on va faire alors, donc on va mettre un grand truc comme ça. Et puis on va faire. C'est quoi ça? C'est tout petit. On va mettre ça, voilà. On va en mettre 4. Hop. Et on va mettre des gros trucs. Voilà. Donc, on va essayer, on va voir hein, si ça marchera ou pas. De toute façon, ce que je ferai, c'est des petits tests pour voir si ça part. Donc, c'est peut-être pas la version finale finale là, mais au moins, on sait déjà à quoi s'attendre. Alors, on va faire un petit système d'asparagus. Alors, ah non, 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 hop. Voilà. Alors, donc c'est d'abord ces deux-là qui vont partir. Du coup, on va faire ça. Pas celui-là et pas celui-là. Hop là, voilà. Donc on active ça. On veut aussi activer celui-là, hein, mais peut-être mettre encore une petite hauteur. Alors, on va aussi l'activer celui-là. Hop, on enlève ces deux-là. Puis on enlève ça. On aura normalement assez pour continuer avec ça. Hop, on enlève. Et on active cela. Ok, alors. Donc, je vais juste. Maintenant, on va d'abord mettre ça. Hein. Alors, on en met 4. Voilà. On en met 4 ici tant qu'on y est. Et tant qu'on y est, bah, on va aussi en mettre ici. Hein. Voilà. Alors, maintenant. Les grands nez. Voilà, parfait. Alors, je vais accrocher ça ici. Voilà. Et on va accrocher cela ensemble. Hein. Histoire d'être sûr que tout résiste. Tout tienne surtout en place. On peut aussi les accrocher là. Et pourquoi pas les accrocher pour être vraiment sûr de chez sûr ici. Alors, j'espère que ce sera vraiment pas trop dangereux. Ok, ça va. Alors, il nous faut un parachute. Ah, ça c'est vrai que c'est pas mal. On va le mettre ici. Hein. Voilà, parfait. Alors, vous savez quoi? Je vais aussi ajouter un autre truc ici. Des petits RCS tanks. Voilà. On aura 250, 500, 650. Parfait. Alors. Voilà, j'en mets là. Je vais en mettre ici aussi, comme ça, on est sûr. Je vais en mettre
ici. Et ici. Voilà, on va mettre un petit truc de mégep, bon, on sait jamais. Hein. Parfait, alors on va le mettre ici. Alors, tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Alors, le plus important maintenant, les petits détails. Landing stabilizer, ok. Alors, on va déjà mettre 4. Voilà. Alors, des petites échelles. Ah bah, tant qu'on y est, alors on va les remettre. Je croyais qu'on les avait pas débloqués, du coup, j'allais pas les mettre. Enfin, attendez, est-ce qu'on n'a pas débloqué les autres tant qu'on y est? Ce serait mieux. Bon, apparemment, non. Alors. Voilà. Hop. Voilà. On continue. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal ça. Alors ce qu'on va faire, on va mettre comme ça. Et on va en mettre 3 ici par exemple. Ça c'est bon. Alors, ouais, tout à l'heure j'aurais vraiment peur quand on va rentrer ici, ça va être le bordel quoi. Du coup, pour être sûr, alors on va prendre des petites batteries rechargeables. Parce que lui il a quoi que 300. On va en mettre une pour comme ça pour être sûr. On en met 3 alors. Ouais, 3 ça peut être pas mal. Allez. Hop. Voilà. Alors ça c'est tout des petits trucs pour les bases, mais ça c'est pas encore pour maintenant. Ça, c'est pour plus tard. Ok, on y est. Alors. Bon, ça, je vais mettre sur les côtés ici. Hein. On va pas remplir pour rien. Alors. On va mettre ça. On va mettre ça. Également ça. Trop grand, ça c'est pour dans l'eau. Alors mystérieux vous comme d'habitude, ça on se pourra pas utiliser, ça sert à rien. Non, alors pourquoi pas, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas mal. Bon, on va tester ça aussi, hein. Je sais pas trop ce que c'est, du coup on va tester. Submersible, et ça c'est Gursat. Bon, ben voilà, alors on va continuer, hop hop hop. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas trouvé qui est quand même important, c'est pour se poser. Landing gear. Voilà, on a que cela. Ouais. Alors, on va mettre ça. Et pour être encore sûr, on va encore en rajouter ici. Et là, j'aimerais bien en mettre 4 en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on y est? Ça a l'air vraiment pas mal tout ça.
Alors, on va l'appeler Moon Lander One. Hop, on sauvegarde. Et c'est parti. Alors, Launchpad and Support Vessel. Ah, zut, zut, zut. Alors, on va améliorer notre petit truc. Non, c'est ça. Hop, on améliore. Ça va, on a assez d'argent. Ah, ben il a amélioré à 100%. C'est parfait. Alors, attention, attention. Êtes-vous prêt pour le départ? C'est parti. Ok, alors, on active l'ESS, on met à fond, et attention, 3, oula, tout pile. Hop, donc c'est bien ceux-là qui doivent partir d'abord, hein, on est d'accord. Puis ceux-là, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis ici, oula, heureusement que je fais attention. Ok, 3, 2, 1, partez. Oula, on a du mal à se lancer, hein. En fait, la mine, elle est loin ou pas? Ouais, d'accord, c'est nul. Enfin, quoique, on est peut-être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon ben voilà, pour le moment on part plutôt droit, c'est déjà pas mal. Alors, on va attendre de lancer au moins celui-là, ces deux-là. Attention, 3, 2, 1. Au revoir. On va peut-être commencer à partir par là-bas. Doucement. Parce que j'ai vraiment peur que d'un coup on ait trop de poids et donc que ça va. On va tourner. Ça m'arrive souvent quand je fais des trucs comme ça, du coup. J'ai pas envie que ça arrive en vidéo. Enfin, ça peut-être déjà arrivé en vidéo, je sais plus. Je crois pas. Alors, on part bien, plutôt, je trouve qu'on est bien parti. Et ce qui est bien, c'est que ici, nos petits trucs pour partir, ça a vraiment bien fonctionné, vu que on aura besoin peut-être de ça et un peu de ça pour aller jusqu'à la Lune et atterrir. Du coup, ça pourra vraiment être pas mal. Alors, on continue, on continue. Ben, ce que je vais faire, c'est je vais attendre alors. Donc on va continuer à aller le plus loin possible avec ces deux-là. Je vais déjà commencer à faire en fait le tournant moi-même. Et on va les extraire après. On va les faire partir après. Et là, j'activerai. Ben voilà. Hop. Alors, hop, on désactive. On fait une petite note de manœuvre. On va peut-être diminuer. Voilà. 160, 164. Eh ben, moi je propose une petite note de manœuvre. Voilà. Alors espérons qu'en 60 secondes, en 60 secondes, pardon, on puisse y arriver avec juste ce petit truc-là, vu que. Ah oui, c'est vrai, il y en a deux.
Vu que sinon, ce sera pas du tout la même chose, vu qu'on a tout d'un coup des beaucoup plus petits boosters. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, je crois que ce sera limite, mais ça ira. Je crois que ce sera vraiment, on va vider ce réservoir. Regardez, ça va plus vite ici que là, ça va moins vite. Donc ouais, ça va aller. Ouf! Ça, c'est bien. Alors, mais ça va. On pourra même, je crois, aller jusqu'à l'orbite de la Lune pour pouvoir avec ce tank. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment pas mal l'idée de, on utilise les gros pour partir et puis les plus petits pour se balader. Ça, de un, ça coûte moins cher parce que ça coûte quand même énormément d'argent. Voilà. Et de deux, parce que au moins ça marche bien, tout simplement. Alors, on va faire comme ça et on verra après où il faut aller. Hop, ah, on y est. 203, ah, ça c'est vraiment pas mal. Alors, 43 secondes, et là on avait fait 60 secondes. Est-ce qu'on y arrivera, vous croyez? Il y a des chances de pouvoir y aller, hein. Enfin oui, la moitié c'était là. Et nous, on a fait ça. Donc 20 secondes. Ouais, donc c'est peut-être possible. Surtout qu'on est de plus en plus loin, entre guillemets, de la Terre. Du coup, on est moins attiré, du coup, on consomme moins. Hop là, allez, on warp. Vous voyez, c'est quand même. Enfin, moi j'adore mes jeeps vu que c'est quand même pour faire des trucs comme ça. Enfin, voilà, moi j'ai toujours eu des soucis des fois. Au début, c'était un peu. Ah, je comprends pas ce qu'il faut faire, machin. Et grâce à mes jeeps, au moins ça c'est facile. On peut facilement le faire, quoi. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Ah, ce sera limite, hein. Je crois qu'on y arrivera. Enfin, oui, ici c'est mon exemple, mais. Ça, c'est de la précision. Regardez ça, on a plus que ça quoi. Du coup, je vais l'enlever vu qu'on n'en a plus besoin. Voilà, parfait. Alors, et on va partir vers notre petit ici. Et on peut même aller après. Ah oui, non. Non, je croyais qu'on était en orbite par rapport à Minmus, mais non. Parfait ça. Et hop, là on y est. Stop. Alors. On ajoute une petite manœuvre pour pouvoir entrer ici. Voilà. Hop là. Voilà. Au moins on sera déjà en orbite. Je vais déjà l'activer et on active notre note. Enfin, notre nœud de manœuvre, pardon. J'ai tout le temps node et puis c'est devenu une note, donc c'est bien un nœud.
C'est parti. Attention, attention. Et on y est. Hop, on s'arrête un peu. Voilà. Et voilà, donc là, on est bien en orbite. Alors, attention, on va faire une petite sauvegarde. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dans l'atmosphère? Enfin, dans l'atmosphère, non, aller sur la lune. Donc moi, je crois qu'on va devoir faire vraiment comme ça. Hop, vraiment partir presque droit. Et puis on verra à ce moment-là. Alors, ce que je vais faire, en fait, quand j'y pense, on a vraiment pas beaucoup d'essence. Mais bon. Ce qu'on va faire, c'est je vais activer un nœud pour qu'on puisse y arriver au moins un max et ralentir un max avec tout ce petit truc. Vu que regardez la quantité qu'on a encore. Et puis après, je crois qu'on devra on devra s'en détacher et continuer avec ces petits trucs pour vraiment ralentir jusqu'au dernier moment. Hop, on active, donc 19 secondes, pas de problème. Attention, attention. On ralentit un peu et c'est bon. Parfait. Alors, donc là, on va descendre par ici. Hein, vous voyez. Donc, je vais aller jusque. Je vais warper jusque là. Et on va activer. Allez, stop, stop, stop. Voilà. Alors, on active le SS, le RCS. Et on va se mettre dans la direction par ici. Et vous voyez déjà, on n'est déjà pas super super rapide, donc ça c'est déjà pas mal. On est encore fort haut. Hein. Alors on va peut-être aller par ici. Hop. On va commencer à activer. On va ici, ils nous disent combien de temps on va devoir burn pour atterrir et l'impact est dans combien de secondes. Donc là, si j'active à fond, ça va diminuer. Vous voyez, hein, ici ça diminue super vite. Je vais encore un tout petit peu accélérer, histoire qu'on remonte pas. Donc heureusement que j'ai gardé ce petit fuel parce que je crois que ça va vraiment nous être utile maintenant. Il faut bien faire attention, vous voyez ici. Hein. Que comme on ralentit, on a beaucoup moins d'impact.
bientôt l'arrêter et le détacher. Parce que vous voyez, hein, ici on est à... On diminue de vitesse. Bon ben. Là, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, hein. Je m'y attendais vraiment pas. Donc heureusement qu'on l'a gardé. Allez, hop, on détache. Et ben, ce sera un parfait atterrissage, j'ai l'impression. Hop, on sort nos petits landing gear. Ça va exploser. Donc E-hérésie, je crois, à 12. 12 mètres par seconde. On va essayer de faire vraiment moins. C'est quand même chaud, hein. J'avoue que je stresse un peu. En plus, ça a pas l'air super super droit. Wouhou! On y est arrivé! Parfait! Et ben voilà, on a réussi à atterrir sur la Lune! Alors, on va quand même analyser ceci. 200! Waouh! Ça, c'est génial! Alors, qu'est-ce qu'on peut encore? Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ici? System check, collect laser data. Hop, ah ben c'est parfait, on va en envoyer 100. J'espère qu'on a assez de charge électrique. Hop là, ah ben voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? On avait ici, ouais non, ça, pas besoin encore. Log température, hop, la petite température, c'est bien, sympa. Et on va en même temps l'envoyer, hein, tant qu'on y est. Autant l'envoyer. Hop, voilà. Alors, log pressure data. 96. Merde, on peut envoyer la moitié, donc ça, c'est aussi cool. Hop, tout a été envoyé. Et on garde le reste. Ça aussi, j'ai pas l'impression qu'il a gardé le reste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, ben, le Mystery Goo. Voilà, on en va 24. On va garder ça alors. Alors, observer. On va en envoyer quand même 70, c'est toujours ça de prix. C'est pas grave s'il n'est pas utilisé, on peut encore utiliser les autres. Voilà. Allez, allez, on continue. Parfait. Alors, ici, où les charges électriques sont pas super super. Comment ça se fait? Le soleil, il n'est pas là? Ah, ben, ah oui, mais il est sur le côté, bien sûr.
Oui, ça recharge très très lentement. Et bien sûr, ici, il n'y a presque plus rien. Bon, alors. Et là, il veut pas se recharger? Ça ne recharge rien du tout. Bon, alors, on va envoyer notre petit Jebedai. Hop là. Wouhou, il peut voler. Alors. Take surface sample. 240, regardez ça, dit. On va avoir 200, plus 200. On va vraiment être riche grâce à ça. Alors, on va planter notre petit drapeau. Comment est-ce qu'on va appeler ça? On va mettre... Mun One by JB Dia. Hop, je vous avoue que je comprends pas ce que c'est ça. Parfait, alors on a fait ça. On va lui demander un petit IV report. Hein. Ben voilà, ça fait toujours ça. Voilà, alors on va lui dire de te renvoler. Hop, 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 doucement. Hop là, et voilà, il a accroché. Hop, et tu rentres. Alors, on va encore lui demander ici un petit courriport. Parfait. L'enregistrer pour être sûr. Donc, on va aussi enregistrer ici notre petit truc. Et on va repartir. Vers, on va essayer d'aller en orbite et puis après on va repartir vers notre petite carabine bien-aimée. Alors de nouveau, est-ce qu'on a assez de monopropane? Ouais, on en a assez, donc je crois qu'on pourra revenir de toute façon. J'espère vraiment parce que regardez ici, on n'a vraiment pas de protection. Donc voilà. Ce sera limite, mais on va y arriver, hein, comme d'habitude. Ah, ça c'est embêtant. Il n'y a toujours pas eu cette mise à jour, et donc... Voilà. Alors, eh ben, on va repartir. Là, c'est parti. Accélérer. Allez, quoi ici, voilà, parfait. On fait une petite manœuvre. Ok, elle a l'air quand même grande en fait. Mais bon, c'est le max qu'on peut faire. On doit faire ça. Du coup, ça va avoir un petit souci, je crois. 17 secondes. On n'y sera pas, je crois. J'aurais dû partir directement en orbite. Eh ben, attendez, stop. On va vite attendre ça. Enfin ouais, j'ai avancé du coup. On est mal barré, mais est-ce que en faisant... Non, on va faire comme j'ai dit. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Execute node. Ah ben 7 secondes, c'était à peu près ça aussi. What? Oh mince, j'ai activé. Oh non. Désarme. Ouf. Heureusement, on peut. Hop, on désarme, on désarme. On désarme. Et on désarme. Oh, oh, oh. Ça aurait été le gros problème du siècle. Ok, parfait, on est en orbite. Ça, c'est cool.
Alors on va enlever nos petits landing gear, hein, on n'a plus besoin de ça. Alors il récupère. Elle est où là? Il est où le soleil? Voilà, on va tourner. Voilà, là il doit normalement récupérer. Alors pendant qu'on va nous faire nous amuser ici. Ah, bien sûr, je pars, mais vraiment, vraiment mal, quoi. Alors, ici, on part bien. Voilà, je crois qu'on va faire ça pour déjà être autour de Kerbin. Ça va déjà être un petit truc. Ça serait déjà mieux. Mais ça, on va le faire avec. On va désactiver les engines. Et on va faire ça avec. Le RCS. Voilà. Alors. On accélère. 6, 5, 4, 3, 2. Allez, encore un tout petit peu. Hop. RCS. Alors j'espère que j'ai tout désactivé. On verra bien. Oui. Ok. Ok, alors on y est. Alors ce qu'on va déjà faire, c'est partir de la mine. Adieu la mune. Allez, on accélère un peu nous-mêmes, comme ça, voilà. Alors, voyons voir. On va faire ici, en apoaps. Et quoi, est-ce qu'on va essayer de rentrer d'un coup comme ça? Ou on part en petite orbite et puis on y rentre? C'est quand même super super loin. Alors que si on fait ça. C'est pas génial non plus. Ce que je vais déjà faire, on va sauvegarder ici. Alors, ben on va, vous savez quoi? On va tester comme la dernière fois. Vous l'avez vu sur la vidéo, on va rentrer vers la Terre directement. D'un coup, on va rentrer comme ça, et je crois que ce sera la meilleure façon pour nous. Alors, hop. C'est dans 2 jours. Alors on va quoi? On va mettre peut-être. Oh mince, mince, mince. Bon ben. On va tourner, on va la faire après. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'était que ce petit truc-là? J'ai vu. Ah, on arrive en orbite de la Lune? Hop là. Bon ben c'est parti.
Voilà. Hop. Allez. Ok, on va se préparer, hein. Je vais mettre quoi quand ce sera la note dans 5 minutes? Bah, je crois que c'est bon, on peut activer. Hein. Hop là. Alors, niveau monopropellane. Waouh, ça va. Bon, bah, je vais de nouveau accélérer la vidéo vu que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. À tout de suite. Ok, alors on y est. Bon, bon, bon. Alors, je propose qu'on aille jusque déjà là. On active, on active. On active et on active. Alors déjà, on se met dans l'autre sens. Hein. On a l'habitude de ça. Voilà. Alors, ce que j'ai vraiment et vraiment peur, c'est que ici, il y a des problèmes. Mais bon, espérons que ça marche. Alors, est-ce que les parachutes sont bien fermés? Oui. Bon ben, on va accélérer maintenant le temps. Ok, on va bientôt rentrer dans l'atmosphère. C'est à 75 000, je crois. 70. Ah non, c'est à 60. Ok, quand on voit que ça commence à chauffer, on active tout. Vous voyez, regardez comme ça chauffe. Ok, ça chauffe. On active tout. Et qu'est-ce qui chauffe? Je me demande bien. Ah, ça a l'air les petits trucs là. Hein. Aïe, 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 ici. Ok, je fais exprès de tourner parce que. C'est du grand n'importe quoi, mais ça marche. Allez, oui. On y est bientôt, on y est bientôt. Yes, on y est arrivé. Ah, ça, c'est génial. Ah, je suis content qu'on y soit arrivé, qu'on y est arrivé. Par contre, on est à 12 000. Ce que je vais faire, c'est je vais le sortir. Ça va, on n'est pas en fait, on n'est pas rapide là.
Ça c'est cool, on y est arrivé. J'espère que ce qu'on a envoyé, ça s'est resté. Ouais, c'est bon, ça s'est resté. Ouf, j'ai eu peur. Alors on va aussi activer maintenant ceux-là. Et celui-là. Voilà. Yes, ça c'est génial. Bon, ben voilà, ce sera un très très long épisode. Voilà, moi je suis. Enfin, je vais essayer de réduire un max pour vous. Genre les temps de vol, etc. Ben, c'est sympa, mais voilà. Et attention, na oula, on était sûrement trop rapide. Et voilà. Mais on s'en fout, on y est arrivé. Donc regardez, il tient même sans pied. Donc ça c'est cool. Alors, hop, recover. C'est génial. Alors, voyons voir, on a récupéré 725 sciences. Eh ben voilà, ça rapporte hein, de récupérer de la science de la mune. Hop, on récupère 12 000, il a gagné 2 d'XP. Et il est ready pour la prochaine assignation. Alors, on a 1073, donc ça va vraiment être pas mal vu que je pourrai enfin débloquer lorsque je veux. Il faut 500 et 300. Donc en fait, ici c'est pour des rendez-vous. Enfin, je vais regarder s'il n'y a pas d'autre chose parce que est-ce qu'on aura vraiment besoin pour le moment de rendez-vous, pardon. Je ne suis pas sûr. On pourra ici débloquer tout ce qui est la science. On pourra peut-être commencer enfin à faire nos avions. Parce que je ne les ai toujours pas faits. Parce que je ne me sentais pas encore prêt. Mais là, peut-être que ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!